Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, vous êtes sur la chaîne Les Jeux du Cygne, et on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Paige dans Paper Trail. On était arrivé au marais, on va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Et donc, nous voilà dans ce marais. On va regarder un peu, donc on a Paige, et ici il n'y a pas grand-chose, donc... Alors, peut-on faire des choses avec les grenouilles? Ça a l'air de briller ici, je sais pas si c'est un effet. Ça a l'air d'être juste un effet. En tout cas, c'est très beau. Et on rencontre des gens. Oh, salut, c'est qui? Je sais pas, mais elle fait peur aux grenouilles! Eh, on en a besoin pour le thé de grenouille de grand-mère! Ok, et du coup, on va pouvoir bouger cette chose-là. J'imagine qu'on va pouvoir la bouger en étant dessus. C'est assez fun. Et du coup, effectivement, on fait peur aux grenouilles. Est-ce qu'il y a des choses? Il n'y a pas l'air d'avoir d'origami. Je sais pas si on peut en avoir. Si on va avoir autre chose que des origamis. Il y a une petite maison. Ah ouais, un origami. Alors, un origami avec une tuile. Est-ce que je peux, par exemple... Ah, je vais forcément être coincé là-dessus. Hop. Par contre, on peut peut-être faire des chemins, ce genre de choses-là. De manière un peu intelligente. Alors ça, ça ne marche pas puisqu'on ne peut pas marcher ici. Mais du coup, je peux pas le mettre là non plus parce que si je bouge ça, ça marche pas. Alors. Réfléchissons, réfléchissons. J'aurais tendance à dire qu'il va falloir plus ou moins... Ah, on a sa copine ici. On a sa copine ici. Donc il va falloir peut-être monter très haut ou descendre très bas, selon les envies qu'on a. Si je fais ça, je suis coincé, on est d'accord. Hein. Si je fais ça... Ça m'arrange pas. Par contre, hein, je pourrais tout à fait faire ce genre de choses. Mais du coup, faut juste que je puisse arriver par là ou par là. Ici, c'est pas possible. Ici, c'est pas trop mal. Bon, j'ai un décalage, hein, mais c'est pas trop mal quand même. Ben, c'est pas suffisamment bien, on dirait. Est-ce que je peux rentrer dans la maison? Non. Comme ça, ça marche. Voilà. Ensuite... J'ai ça et j'ai ça. Voilà, je peux là. Ce qui veut dire qu'il faut que je sois plutôt ici. Ce qui veut dire que je peux monter là.
Oui, mais non, du coup. Oui, mais non. Il me manque une subtilité dans la chose. Parce que là, je vais pouvoir avoir ça et repartir, mais il faudrait quand même que je puisse arriver là. J'en ai pas vu d'autres. J'en ai pas vu d'autres avec le symbole. Comment j'y vais sur cette tuile? Comment j'y vais? Attends, 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 attends. Je peux tout à fait. Je peux tout à fait. La plier et l'emmener ailleurs, cette copine. Faut juste de l'eau. Il me faut juste de l'eau. Donc, ce qu'on va faire, si on va remettre Page à un endroit civilisé. Ah, c'est pas assez civilisé là. Voilà, comme ça. Pourrait faire ce genre de choses peut-être. Mais t'as vu qu'il faut réussir à bouger cette chose-là comme il faut. Avec peut-être patch dessus au bon moment. Bon, j'ai l'impression, j'ai. Je sais que je suis en train de refaire ce que j'ai déjà fait, mais je voudrais m'assurer d'être capable de faire certaines choses. Là, j'ai pas assez d'eau pour dire de. Je suis certaine qu'on va devoir. Peut-être pas tout de suite. Donc ici, je peux pas l'atteindre. Crotte! Crotte, crotte, crotte. Il faut que je puisse réussir à aller jusque-là. Et pour ça, il faut que je réussisse à aller jusque-là. Ah, est-ce que je pourrais pas? Je peux. Ouais, c'est ça. Je peux pas plier deux fois de suite. C'est bien ce que je me souvenais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas moyen? Bah non, puisqu'il faut forcément que celle-ci soit à côté. Donc il faut forcément que celle-là soit à côté. Crotte, crotte, crotte. Il faut que j'aille là. Il faut que j'aille là. Et on a dit pour ça, la manière la plus simple, c'est ça. Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Attends, attends, cocotte. Là. Ici, je peux pas traverser, bien évidemment. Ce serait trop simple. Par contre,
peut pas faire ça non plus. Je peux faire ça, mais qui m'arrange à rien au final. Puisque je peux pas remonter, hein, une fois que je serai dans le coin. Le coin sera vide. Et ici, on a dit, le seul endroit où ça se raccroche, c'est comme ça. Ici, c'est pareil, on a... Crotte, crotte, crotte. Parce que je vois bien comment aller jusque-là. Mais ça m'aide pas à atteindre ici. Oui, mais je suis bête. J'ai un ponton ici. Je peux peut-être... Ah non. C'est en une seule phase, donc j'ai pas de ponton. Voilà qui se complique. Voilà qui se complique, voilà qui se complique. Bon, je sais que pour avoir ça, il faut que j'aille faire ça. Sauf que je ne sais point comment aller ici. Ce qui est bien mon souci. Ni ici, ni là. Comment je peux aller là? Si je tire, je tire, je tire. Je tire pas assez. Et si je tire, je tire, je tire. Ça marche pas non plus. Et je peux pas... dégager celui-là. Je sens qu'il faut réussir à mettre cette chose-là au bon endroit. Peut-être qu'effectivement, genre si je la mets comme ça. Je reste deux. Je peux pas l'atteindre là. Et là, je peux pas vraiment toucher mon eau, faire quelque chose d'intéressant. Si je la bouge comme ça, est-ce que je finis par avoir de l'eau? Pas plus que ça, en fait. Il y a de l'eau de l'autre côté, mais je peux pas l'emmener. Et je peux pas bouger ici. Parce que là, c'est de là d'où je viens. Oh! Ce tableau me pose souci. On peut pas venir d'en dessous. Si je le remonte, je peux pas traverser parce que cette tuile-là n'est pas active. Or, on sait que la seule tuile qu'on a comme ça, c'est celle-ci. Que je peux pas la plier. Faut forcément que ce soit l'autre qui la rejoigne. Et si je fais ça, on a exactement le même souci. Et si je fais ça, on a pas tout à fait le même souci. On pourrait y accéder par là.
Seulement, comment j'y accède par là? Parce que elle, je peux pas la bouger plus. Elle bouge que dans ce sens-là, on est d'accord. Et je vais vérifier, mais je crois pas. Je crois que j'ai déjà essayé. Faudrait que je monte un peu plus. Je peux pas monter dans la maison, hein. C'est bien ça qui m'embête. Et pour avoir un pliage qui me permettrait d'y arriver. Il faudrait que je trouve un moyen de plier tout en étant de ce côté-là. Wow, c'est déjà plus complexe, hein. J'avoue que là, je peux vraiment rien faire avec cette maison. Et je peux pas après. Peut-être que faut que je passe par ici pour y arriver. Ce serait peut-être plus simple. Ok, quelle est cette chose? Ok, une chose qui peut pas bouger. Ça va être ça l'astuce. Je le sens que ça va être ça l'astuce. De passer par celle d'en dessous. Pourquoi j'y ai pas pensé de suite? Hop. Ouais, c'est ça l'astuce. Il faut voir plus loin que sa propre tuile, hein. Grenouille, si vous la serrez trop fort, elle risque de coasser. Donc, chemin dans l'autre sens. Hop. Donc ici, on peut rien y faire. Et on peut passer ici. Donc, de nouveau des petits symboles, de nouveau une boule à bouger. Il y a un petit origami par ici. Et si je le pousse là. Non, 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 mais. Il y a très peu de pontons là, hein, on est d'accord. Je peux pas l'emmener. Ah, je peux pas l'emmener là. Oui, je peux pas l'emmener là. Mais je peux peut-être m'emmener moi derrière. Oui. Wow. Donc je m'envoie. Si, non mais monte là-dessus. Monte là-dessus, cocotte. Je sais moi, je. Alors ensuite, il faut qu'on l'amène là-bas. Hein. Désolé. Donc on va la descendre.
Refaire la même chose pour pouvoir la pousser. Donc on remonte ici. On bouge. Et on tire cette pierre. Au moins jusque-là. Ensuite. Je peux aller là. Est-ce que ça a un intérêt? Ah, il veut pas que je déplie. Pourquoi? Ah, parce que peut-être à cause de ça. Voilà, c'était ça. Alors. Attends, excusez-moi 2 secondes, je vais aller chercher un peu d'eau. Et hop, on se retrouve, j'ai bu un petit peu d'eau, je devrais arrêter de tousser. On en est toujours à essayer de pousser notre pierre jusque là où il faut la pousser. Dit comme ça paraît simple. Je peux pas l'emmener jusque-là. Ah, quoi que si, je vais peut-être pouvoir en fait la pousser. Parce que moi, je passe par là. Je bouge. Ensuite, je la pousse là. Ensuite, je reviens là. Je rebouche ça. Je tire ma pierre. Jusque-là. Je peux pas la monter. Je peux pas la monter. Pourquoi je peux pas la monter? Non, je peux que la descendre là. Je peux pas la monter. Arnaque. Arnaque, je peux pas la monter. Oui, du coup, elle va m'empêcher de replier. Crotte. Je vais la laisser sur le ponton, du coup. Là. Là où elle me gêne pas pour plier les choses. Quoique. Oui, mais non, parce qu'il faut être deux. Et là, je peux pas emmener un deuxième. Un deuxième. Je suis en train de me dire, je peux peut-être juste la poser là et la pousser, sauf qu'il faut que je puisse la pousser. Il faut que je puisse la pousser. Que ce soit ici ou que ce soit là. Et si je plie... Ben je me retrouve avec ce que j'avais tout à l'heure. Et ici, rien d'intéressant. Réfléchissons, réfléchissons. Il faut aller là. Alors en vrai, avec Paige, ça va pas être si dur. Mais avec Paige, plus le caillou... C'est une autre paire de manches. Parce que Paige a fait ça, et ensuite a fait ça, et on n'en parle plus. Sauf que mon caillou, lui, il me pose bien plus de soucis. Je peux pas passer là. Zut. C'était une mauvaise idée. Je suis pas tout à fait dans l'angle. Oui, là, ce sera une meilleure idée. Je vais pouvoir faire ça. Et ça. Et faire ça. Et aller chercher l'origami. Le cochon!
Ce qui me résout toujours pas mon problème. Pour ma pierre, hein, ma pierre qu'il faut que je pousse. Je vais quand même vérifier, mais pour moi, je peux pas simplement. C'était comment? C'était comme ça. Je peux pas simplement. Genre si je la laisse là, je peux la pousser, certes. Ah oui, mais peut-être que je vais pouvoir. Oui, c'est ça, je vais pouvoir faire différemment. Oui, j'ai pas besoin que Paige prenne le même chemin que la pierre. J'ai juste besoin que la pierre, elle aille là. Ce qui est parfait. On va pouvoir continuer. Progressons dans ces marais. Ok, j'ai deux pierres et j'ai ces petits machins-là. Alors, allons chercher cette pierre-là. Je peux la pousser là. Et je dois pouvoir faire en sorte, de la même manière que tout à l'heure, voilà, que Paige prenne un autre chemin pour tirer sa pierre. Voilà. Et du coup, l'autre, ben, on va faire à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va là. Petit peu plus haut peut-être. Non, pas forcément. Était-ce une bonne idée? Je ne sais point. Mais en tout cas, on va faire exactement pareil. Sauf qu'on peut pas faire exactement pareil. On peut pas aller là comme ça. Voilà, on peut aller là comme ça. On récupère ça, sinon on ne peut pas redéplier. Mais par contre, comment je traverse? Parce que du coup, je peux l'amener en face. Ce qui est la chose facile. Peut-être que celle-là aurait dû aller là. Peut-être était-ce plus simple. Ou tout simplement, je fais comme tout à l'heure. On bouge Paige. Non, Paige, j'ai même pas besoin de bouger. On va pouvoir pousser cette. On peut pas la bouger jusque-là. Et là, on peut pas parce que, parce que, parce que, parce que, on peut pas traverser. Donc, c'était pas tout à fait une bonne idée. En fait, non. En fait, il faut que je mette la pierre là. Il faut que je mette la pierre là pour pouvoir la bouger. Voilà. Et ensuite, Paige, elle traverse. Avec ses autres moyens de traverser. Son autre moyen de traverser étant zut, comment on est arrivé là? Ah, on est arrivé là grâce à ça. Bah non, pas grâce à celui-là. On est arrivé là. Oui, mais si je suis arrivé là grâce à ça. Comment je rebouge? Comment je le bouge?
Parce que là, je vais être coincé. Que là, je vais être coincé. Je peux peut-être. Non, je ne peux pas. Comment je mets de badge? Yeah, c'était peut-être ça, hein. Je suis peut-être pas bon. J'aurais peut-être dû plutôt faire l'inverse. Je me suis peut-être coincé là. Avec ma pierre. J'ai plutôt l'impression de m'être coincé avec ma pierre. Parce que je vais pas pouvoir la pousser jusqu'au bout. Et je peux pas traverser. Et je peux pas traverser de manière intelligente. Bon, du coup. Je récupère ma pierre. Je la mets là. On récupère ça. J'emmène Page jusqu'ici. Et on va se poser la question de est-ce que c'est pas plutôt cette pierre-là qu'il faut que j'emmène là. Je peux faire ça. Il faut juste, hein. Comme d'habitude, hein, juste étant le mot le plus compliqué de l'histoire. Sinon, ça a l'air d'être tout pourri comme idée, hein. Donc, il faut que je débloque ici. Alors, une des solutions est peut-être de faire naviguer cette chose-là. Sauf que du coup, je vois pas trop comment je peux faire ça intelligemment. Là, j'ai pas d'eau. Parce que le problème, en fait, c'est que si je la laisse là, je peux peut-être la laisser plus loin, en fait, tout simplement. Genre, je la laisse ici. Pourquoi je me complique la vie? Je te laisse là, cocotte, et après je te retire. Voire même oui, c'est ça. Hop. Ça se trouve, je me complique même pas la vie. Ça se trouve. Oui, là, je peux pas à cause de mon caillou. Si, je me complique. Je me complique pas la vie. Crotte. Crotte, crotte, crotte. Donc si, en fait, je suis plus ou moins obligée de la laisser là pour pouvoir la récupérer. Sauf que après, moi, je peux plus passer.
Ou alors tout simplement, mais... Je peux pas la remonter de 1. Pourquoi je peux pas la remonter? Ah oui, je peux pas la remonter, je peux pas la remonter, je peux pas la remonter. Il manque quelque chose. Réfléchissons. Ça, c'est ce qui paraît le plus prometteur. Mais on a vu, on se retrouve avec une boule qui est coincée. Et on a l'air de patate. Je vais aller là. Je vais voir s'il y a quelque chose qui me vient comme idée en étant ici. Faut que je récupère ça. Ouais, ça, c'est quand même le plus prometteur, hein. Et quand je vais de l'autre côté, donc ici, je ne peux pas. Je peux pas vraiment rajouter un ponton ou quelque chose du genre. Et cette chose-là, j'aimerais. Ah, attends, cocotte. Si t'es là. Faudrait que tu sois ici et on pourrait faire un chemin de l'un à l'autre. Est-ce que ça m'intéresse? Si je te mets là, je peux faire pas tout à fait un chemin de l'un à l'autre en fait. Et ici, c'est toujours. Ça. Je suis toujours coincé avec comment descendre cette boule. Je vais quand même le faire parce que je pense qu'il doit juste me manquer quelque chose. Je peux pas la pousser par là, on est d'accord. Je peux pas la pousser par là non plus parce que je viens de là. Donc on fait l'inverse. Ici, je peux la pousser jusque-là. Oh, mais qu'est-ce que je suis patate. Voilà. Je suis sûre que vous me l'avez dit. Je suis sûre que vous y avez pensé avant moi. Les flèches bougent. Il faut en prendre compte complètement. Ouah, c'est quoi ça? On dirait un triffide. T'approches pas. Il mange les grenouilles et les petits garçons. Mais pas les filles, on est trop coriaces. Il me mangerait pas, moi, je lui ferais sauter les pétales à coups de poing, regarde voir. Ok, eh ben on va arrêter cet épisode dans les marais là. On voit que le niveau a augmenté, j'ai pas encore intégré tous les petits concepts, toutes les petites subtilités qu'on nous a rajoutées avec les petites plateformes mouvantes. Ça rajoute un max de subtilités. Et d'autres challenges sur ces défis.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!